Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Sorar spéciale Coupe d'Afrique des Nations. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sorar, rejoignez-moi en cliquant sur le lien dans la description. On va regarder l'équipe de la Guinée-Bissau qui est un outsider dans ce groupe D, comme vous pouvez le voir. Très peu de chances de se qualifier car il y a l'Égypte et le Nigeria, deux grosses équipes dans ce groupe D. Donc ça va être difficile. Un match à leur portée cependant contre le Soudan. Donc peut-être une petite victoire qui pourra entraîner quelques points Sorar pour les trois joueurs disponibles dans cette équipe de Guinée-Bissau. On va commencer avec Nanou. Alors Nanou, il joue à Porto, mais cette saison, il joue avec la réserve. Donc c'est pas une carte qui est très utile sur Sorar. La carte vaut 8 euros, mais je pense qu'elle a pris de la valeur récemment à cause de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme vous pouvez le voir, avant, elle était plutôt aux alentours de 5 euros. Mais voilà, Nanou, il joue dans cette équipe de Guinée-Bissau sur le côté droit. Il a joué les 5 derniers matchs, il a joué 4 fois arrière droit, une fois milieu droit, donc il est plutôt sur le côté droit, en défense en général. Vous voyez, il a 18 sélections, donc c'est quand même le joueur défensif le plus capé de cette sélection de Guinée-Bissau, donc ils vont compter sur lui sur le côté droit de la défense. Donc c'est une carte qui pourrait peut-être vous être utile. Ensuite, vous avez Mauro Rodriguez qui joue à Sion et lui aussi, il joue avec la réserve de Sion. Donc, c'est pas hyper prometteur comme carte. Une carte qui vaut aussi 8 euros. Mais voilà, lui, il joue même pas beaucoup avec l'équipe de Guinée-Bissau. Il a deux sélections et récemment, il est pas dans les plans de l'entraîneur. Il est plutôt sur le banc. Voilà. Et la dernière carte pour cette équipe, c'est Moreto Kassama qui joue à Reims en Ligue 1. Alors lui, il a beaucoup de temps de jeu quand même à Reims parce qu'il a 14 matchs dont 10 titularisations et 2 buts, voilà. Et ça dépend un petit peu de l'adversaire, ça dépend de l'animation offensive de la Guinée-Bissau, mais il a joué ces derniers temps, il a joué 2 fois remplaçant, 2 fois titulaire sur les 5 derniers matchs dans le milieu de terrain de cette équipe. Donc une carte à 17 euros en ce moment qui peut vous être utile ensuite en Ligue 1. Mais ce n'est pas un joueur titulaire ni dans son club, ni forcément avec la Guinée-Bissau à surveiller. Donc voilà, une sélection assez limitée de cartes pour la Guinée-Bissau sur Sorar. Mais peut-être une petite trouvaille pour vous, pour cette Coupe d'Afrique des Nations, qui sait. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Sorar spéciale Cannes.